Bonjour Christian Scandella, Thrive for Greatness, si je l'ai bien Oui, prononcé, ça bah va? tout à fait, c'est impeccable. Bon. Bon, c'est un cheval qui est régulier hein, depuis le début de l'année, là, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Non, c'est un cheval régulier qu'on a pressenti il y a quand même pas mal de temps, en se disant que bah, s'il encaissait un petit peu tous les combats, ce serait un cheval pour les réservés pour les gros handicaps. Voilà. Oui, il le confirme, il a bien couru l'autre jour, hein. Le cheval court bien l'autre jour, il n'y a rien à dire. Il est battu très certainement de toute façon par meilleur, avec une piste qui était, à mon sens, pour l'instant, pas forcément à sa convenance. Voilà, ça c'est. Qu'est-ce qu'il lui Je faut pense que comme c'est un cheval terrain? de. Je pense que c'est un cheval de bon terrain, terrain souple. Voilà, vraiment le terrain qui conviendrait normalement à tout le monde, comme on dit. Donc c'est un. Je pense que c'est le. Ça devrait être le terrain que je devrais pouvoir rencontrer dimanche à Maison Lafitte, oui. Donc c'est parfait de ce côté-là. Ça devrait. De ce côté-là, ça devrait, on va dire, oui. Vous pensez justement qu'il a les moyens d'être à l'arrivée? Bah, le cheval est préparé pour ça. Il a montré que ces deux participations de gros handicap, il était présent. C'est un cheval qui est bien, qui est pas très très expressif le matin, mais je le pense et je le trouve plutôt bien. Bah voilà, maintenant le seul bémol, ou on va dire le point d'interrogation, je pense que je ne serai pas le seul dans ce cas-là. On s'est aperçu que toutes les courses de Maison Lafitte se couraient en ligne droite. Et il y a lui de nous montrer que ça pourrait être son sport. Voilà, je pense sincèrement que si j'avais su le jour de l'engagement qu'on serait sur la ligne droite, je ne suis pas certain que je l'aurais conservé. Maintenant, le cheval est bien au travail, j'en ai parlé un petit peu ce matin avec son jockey. S'il pensait que ça pouvait poser problème, les parcours rectilignes. Lui a l'air de me dire que non, ça va dépendre du numéro de corde. Mais je pense qu'on découvrira tout ça en même temps, hein, voilà. Ouais, Mais d'être dans le ça peut bon. être le petit bémol, ça peut être le petit bémol.